Mais d'abord, moi, je partage complètement la colère de millions de Français qui en ont ras-le-bol de ce gouvernement qui pourrit la vie de la grande majorité de nos concitoyens. Après, chacun doit être à sa place. Les organisateurs du 17 novembre ne souhaitent pas que les partis politiques soient présents et donc nous n'avons pas vocation à y être. En revanche, le rôle des partis politiques, c'est de faire des propositions alternatives, de faire des propositions devant nos concitoyens, de faire des propositions à l'Assemblée nationale. Je vous donne un exemple très concret. Les parlementaires communistes, par exemple, dans le cadre du débat sur le projet de loi de finances, vont faire un certain nombre de propositions alternative visant à ne pas augmenter les taxes sur le carburant et en revanche, par exemple, à taxer le kérosène. On vit quand même dans un monde étrange où on va taxer l'automobiliste qui a besoin de sa voiture pour aller travailler et on ne taxe pas le kérosène utilisé par l'homme d'affaires qui fait trois fois le tour du monde dans le mois. Donc effectivement, il y a une injustice sociale. Notre rôle, c'est de proposer d'autres solutions. Madame Brossa, comment avez-vous réagi, vous, l'élu communiste, au mea culpa du président de la République quand il a dit « je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants ». J'ai trouvé que pour une fois, il y avait une espèce d'éclair de lucidité dans le propos d'Emmanuel Macron, dans un océan de déni par ailleurs. Parce qu'effectivement, il constate qu'il n'est pas parvenu à réconcilier les Français avec leurs dirigeants. Mais enfin, s'il n'a pas réussi à les réconcilier avec leurs dirigeants, c'est précisément parce que toute la politique qu'il mène est une politique qui leur pourrit la vie quotidienne. Quand on fait le compte de tout ce qui s'est passé depuis le début du mois de septembre, entre le gel des APL, le gel des allocations familiales, le gel des pensions de retraite, l'augmentation du prix des carburants, l'augmentation du prix du tabac, l'augmentation du prix des mutuelles, la faute à qui? La faute au gouvernement. Et donc, dans des conditions pareilles, il n'est pas très étonnant que les Français en ont ras-le-bol d'Emmanuel Macron. Et donc, je crois que Emmanuel Macron, à un moment donné, devra bien se poser la question de son cap. Parce que en même temps qu'il dit qu'il entend la colère, il ne prévoit pas de changer de cap. Mais le problème, c'est le cap. C'est un cap ultralibéral qui a consisté à multiplier les cadeaux aux plus riches et, dans le même temps, à demander aux plus modeste de payer la facture. Eh bien ça, les Français n'en veulent pas, ils en ont marre, ils le disent et ils ont bien raison de l'exprimer. On a bien compris. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous dans Focus Première. Il est 8h29, l'écho.